Les gossip hop de Move très actu, les infos hip-hop du jour servies avec une petite sauce QLF parce que les stars du week-end, eh ben, c'est encore PNL. Oui, oui. J'aimerais bien parler d'autre chose. Parler de chat roulette si t'as envie, mais bon. C'est impossible. Oui, voilà. Je me suis pas renseigné. Vendredi 5 avril, c'était la sortie de l'album Deux Frères. Et ben, les Deux Frères, ils étaient partout. Record de stream sur Spotify, Deezer. Groupe de musique le plus streamé du monde ce week-end. Ça, c'est fou. Devant les bails de K-pop et tout. Ils étaient dans les Uber, sur les Uber, à côté des Uber, ils étaient partout. Ils ont vraiment un truc avec les transports urbains parce que vendredi soir, ils ont remonté les quais et les Champs-Élysées en bus à Paris. Alors, ils n'ont pas pris le 42, hein. Ni le 27. Ils ne sont plus trop dans des trucs de passe Navigo. Mais un bus à impérial, c'est-à-dire avec un empereur dessus. Non, parce que c'est le toit qui est un étage et qui est ouvert. Comme les mecs se sont fait une parade, comme l'équipe de France, avant que Benalla vole la coupe. Oui, bien sûr. Avant. Alors, et c'était prévu cette histoire de bus ou c'était vraiment une surprise? Alors, il y avait des rumeurs de concert à la Tour Eiffel, démenties par la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel tweet, elle a un compte Twitter. Ouais. Alors, ne demandez pas si elle est en clash avec un autre monument historique. Hein, si elle glisse en DM pour envoyer des photos un peu olé olé au Mont-Saint-Michel. Je suis pas intime, moi, avec la Tour Eiffel. Bref, on se doutait que PNL allait faire un truc, mais quoi? Et ben, ils se sont fait un gros kiff. Sur les vidéos, on voit que c'est la grosse ambiance sur le bus. C'est blindax de mecs des Tarterets, tous les mecs des clips. Ouais. NOS est clairement très bien hydraté. Ah, il est dans sa Raptor. Et puis, au bout des Champs-Élysées, des fans se sont réunis autour du bus qui s'est arrêté. Ça s'est transformé en concert sauvage improvisé. Mais c'est vrai que c'est assez ouf. Il y avait vachement de monde, j'imagine. Bah, plusieurs dizaines de personnes selon la police, la moitié de l'Île-de-France selon les réseaux. Il y avait un attroupement, mais bon, peu importe, on s'en fout du nombre, j'ai pas compté. Ils ont réussi leur coup, tout le monde en a parlé, crié au génie. Ouais, et ce week-end, on en a aussi appris plus sur les années collège-lycée des Deux Frères, mais cette fois, il y a eu un peu moins de buzz. Ouais. Parce que ça vient, attention, d'un petit média niche, France Bleu Limousin. Oui. Donc Sartek, franchement, France Bleu Limousin, qui a sorti cette enquête. Parce qu'entre 2001 et 2007, il faut savoir, Tariq et Nabil Andrieux ont quitté le 91 pour des raisons floues et ont passé 6 ans à Brive-la-Gaillarde. Et ouais. Rap game en Corrèze. Et le journaliste de France Bleu a retrouvé des gens qui ont grandi avec eux là-bas. On apprend plein de trucs. Genre Nabil NOS a eu un bac STG. D'accord. En 2007 avec 11,4 en éco. Non, j'en sais rien. Alors il jouait au foot et il kiffait les petits ponts. Tariq, lui, les petits ponts au foot, pas les petits ponts sur des petites rivières. Non, oui, je pas on avait compris que c'était au foot. Voilà, Tariq, lui, il a eu un bac pro électrotechnique. Mais il était assez solitaire. Il a pas, tu vois, il était dans un peu dans son truc. Et globalement, ils étaient potes avec tous les rebeux de Brive. Et si l'on en croit le reportage, il y en a 3. Moi, j'ai compté. Voilà. Il y a une prof d'ailleurs de Nabil qui force un peu. Parce qu'au début, elle dit non, mais Nabil, c'était quelqu'un qui aimait les études, était discret et calme. Mais on sentait sa haine contre la société. Ce qui est paradoxal. Bah oui, parce que il est discret, calme et haineux. C'est bizarre. C'est vrai qu'on les imagine pas trop vivre à la campagne comme ça. On apprend d'autres trucs sinon. Oui, on sait qu'ils faisaient déjà du son. Sacrée petite carrière. Ils ont fait une scène ouverte sur la place de la Poste à Tulle, le bled de François Hollande. Malheureusement, ça n'a pas pris. Ils ont même été recalés du festival Brive Plage. Bah, j'ai pas fait de recherche, mais j'imagine que c'est comme Paris Plage, mais à Brive. Voilà. C'est sûrement cette injustice qui leur a donné envie de prendre une revanche sur cette industrie cruelle du show business. Oui, j'en fais trop, mais bon. Voilà, PNL en Corrèze, voilà, tout. Enfin, voilà, faut embellir un peu, il y a de la mise en scène. Et d'ailleurs, tu sens que globalement, c'est pas non plus le highlight de leur vie, la Corrèze. Le journaliste remarque d'ailleurs qu'ils n'en parlent jamais de Brive. En même temps, c'est normal. Parler Bicrave Gardave en Corrèze, t'es à 2 sur 1000 sur l'échelle de la street cred. C'est comme Booba. Par exemple, il a vécu à Nice, enfin vers Nice, à la Colle-sur-Loup. C'est sur la D436 entre Roquefort-les-Pins et Cannes-sur-Mer. Bon, il en parle pas de ouf non plus. Ah oui, ça je te confirme. Merci Guéran. Et merci à nos amis de France Bleu Limousin, l'enquête sur les origines terre-terroir de PNL, à lire sur le site officiel de France Bleu. 13h, 13h30. Move très actu. Tu es connecté sur Move.